J'étais dans ce café avec mon fils et une copine. 16 mars, on a pris des boissons et à part de chocolat pour mon fils. Et quand on est allé payer, le monsieur qui était à la caisse, il m'a donné la machine. J'ai tapé mon code, c'est pas marché. J'ai tapé deuxième fois le code, cette fois c'est marché. J'ai pris le ticket. Je regardais mon temps 20-30 francs suisses, 70, et sans penser mal, je suis partie. Et deux semaines après, surprise, le somme 7 700 francs suisses, elle était débitée sur ma compte. C'était le pourboire? C'était finalement pour boire, mais comme c'était écrit en Suisse, je pensais que peut-être c'est un code article, enfin, je ne pensais pas que c'est mal. Et vous avez contacté le monsieur, le chef de l'établissement, pour récupérer l'argent? Oui, j'ai contacté plusieurs fois lui par téléphone. Après, je suis venue chez lui avec la police. Après, on s'est encore écrit par SMS et par email. Il a confirmé qu'il va me verser l'argent. Mais maintenant, il a disparu et je n'ai pas d'argent. Et la banque ne peut rien faire? J'ai appelé la banque tout de suite quand j'ai vu ça et elle m'avait répondu que ce litige est uniquement entre lui et moi et il ne peut rien faire. Alors la police, elle a dit que ce n'est pas une affaire pénale et qu'elle ne peut pas m'aider.